Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle de Stardew Valley, un jeu indépendant de simulation dans lequel le joueur se retrouve projeté dans une ferme abandonnée dont il doit alors s'occuper. Créé de toutes pièces par Eric Baron, le jeu est sorti sur diverses consoles et aussi sur PC en 2016. Avec ce jeu s'installe alors un petit rituel où tous les matins vous aurez à arroser, ramasser vos légumes et autres petites graines plantées amoureusement. Il vous faudra aussi nourrir vos animaux et récolter leurs produits. Tout cela avant de sortir affronter le monde extérieur. Que ce soit pour enrichir vos relations avec les villageois, pour effectuer des quêtes, pour améliorer votre matériel, vendre vos produits ou encore préparer des événements. Stardew Valley ne se contente pas de nous faire nous occuper de notre ferme, aussi amusant cela peut-il être, mais nous ouvre plutôt vers une vraie simulation de vie, où chaque relation avance, stagne et recule selon l'attention qu'on lui porte, et où on débloque des lieux, des quêtes, des animaux, des graines, car il se passe toujours quelque chose dans cette petite ville. Avec son graphisme en pixel art, ses petites musiques et son univers adorable, Stardew Valley vous réconfortera pour vos soirées longues et froides d'hiver et saura réveiller le fermier qui est en vous. À picorer sans modération, laissez-vous tenter par ce monde tout doux qui vit au rythme des saisons et qui nous surprend pourtant aussi quelquefois avec la sincérité des sujets qu'il peut aborder. Je suis sûre qu'un peu de douceur vous fera du bien. À demain !